Meghan Markle et le prince Harry ont été expulsés de leur résidence de Frogmore Cottage. Charles III aurait été à l'encontre d'Elisabeth II en prenant cette décision. Les relations entre le prince Harry et sa famille sont très tendues. La nouvelle a dû particulièrement toucher le prince Harry et Meghan Markle. Ils auraient reçu de la part du palais de Buckingham un avis d'expulsion de leur résidence de 5 chambres de Frogmore Cottage, située près du château de Windsor à l'ouest de Londres. Cette résidence avait été accordée au couple en 2018 par Elisabeth II comme cadeau de mariage. Seulement, Charles III a pris la décision de leur retirer cette résidence sans pour autant leur proposer un nouveau lieu pour qu'ils puissent profiter d'un endroit lorsqu'ils voyagent au Royaume-Uni. Pour beaucoup, cette décision sonne comme une sanction à l'encontre des Sussex après la publication des mémoires du prince Harry dans lesquelles il s'en prend très durement à la famille royale britannique. Selon l'experte royale et historienne, le docteur Tessa Denelow, citée par Mirror, au Royaume-Uni, cette décision aurait été très bien perçue. En revanche, Charles III serait allé à l'encontre de la position de sa mère, Elisabeth II, morte en septembre 2022. Jusqu'à son dernier souffle, elle a tout fait pour tenter de garder les liens entre le prince Harry et les membres de sa famille. La réponse de la Grande-Bretagne à la nouvelle a, dans l'ensemble, été joyeuse. À un certain niveau, le vitriol est compréhensible, a-t-elle ainsi déclaré dans un premier temps avant d'expliquer pourquoi Charles III aurait fait une erreur. Elisabeth II n'aurait pas du tout apprécié la décision prise par Charles III selon elle, malgré les bombes lancées par le prince Harry avec son livre. Buckingham Palace avait réussi à garder la tête hors de l'eau. Une monarchie confiante aux larges épaules aurait résisté à la tempête. Avec un couronnement au coin de la rue, le roi a de plus gros poissons à faire frire. Au lieu de cela, en expulsant le couple du généreux don de la reine de Frogmore Cottage, le roi Charles va directement à l'encontre du style conciliant de feu Sa Majesté. Pire, il a confondu le problème des Sussex avec celui du prince Andrew en demandant à ce dernier de renoncer à sa plus grande maison, le Royal Lodge, et de s'installer à Frogmore Cottage. Grosse erreur. L'optique est terrible, a-t-elle ajouté.